Salut à toutes et à tous, ici Ikira au commandé. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, de ma part, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Pokémon Ultra Soleil Random Nawak. Aujourd'hui, au programme, qu'est-ce que nous avons de Pokémon dans l'équipe? On a les Total Spies avec Jerry qui est présent. Et on doit se rendre au labo donc de Bob Marley, aka le professeur Pokémon, voilà, tout simplement. Et nous allons nous y rendre de suite et continuer cette aventure palpitante, folle en rebondissement, tout simplement. Voilà. Pour rejoindre le laboratoire du boss, il faut traverser les hautes herbes. Mais avec ton insolordo, ça devrait pas être trop compliqué, hein? Est-ce qu'on est toujours à Canada Road ou pas? Enfin, c'est bien beau tout ça, mais je ne m'abaisse pas à combattre les Pokémon sauvages, donc tu vas me frayer un chemin, je compte sur toi. Babouche est un Pokémon rare, mais on ne sait pas d'où il vient exactement, on sait qu'il nous aidera pour le Nawak Tube. T'as cru? Par contre, il est très mal poli. Comme si quelqu'un est passé... par le passé lui a appris tout ça. Il dit souvent cagole en plus, et moi je suis pas une cagole moi. Enfin bref. On devrait se dépêcher, rejoindre Bob, ou il va encore chier des bulles. En tout cas, je lui... Oh, putain, il y a une scène qui est étrange, en plus, quand on arrive au labo. Oh, j'espère qu'ils l'ont pas détourné. Enfin, c'est sûr que si, ils vont le détourner. En tout cas, je t'ai déjà demandé, mais ne parle pas de la team d'Awaka sur tous les toits non plus, hein. On est censé être une organisation criminelle. Allez, c'est pas la fête du slip non plus, tu pourrais être arrêté. Attends, est-ce qu'on est toujours à Canada Road? Visiblement, oui. Oh, et si tu passes par là, bah, tu peux rejoindre le laboratoire directement en évitant les hautes herbes. Bah, c'est ce qu'on va faire. Et hop, tu peux passer là aussi si ça te dit ou prendre ton temps d'explorer, c'est comme tu veux. Je pars devant, on se retrouve au laboratoire. Bah, ça dépend où est-ce que nous sommes exactement. Sachant qu'on a des dresseurs, j'ai pas envie de me... Ouais, on coupe la route. Mais visiblement, non, on n'est pas à Canada Road. J'ai peur. Vas-y, Rocabo, déchaîne-toi. T'inquiète pas, tonton Marley peut encaisser. Oh non, il recommence. Que penses-tu du laboratoire? Il a un certain charme, je trouve. Cela fait maintenant 3 mois que le professeur m'offre hospitalité. Je ne suis pas sûr d'être une assistante des plus efficaces, mais c'est ma façon à moi d'essayer de le remercier en lui étant utile. Cela dit, je pense qu'un dresseur lui serait bien plus utile que quelqu'un comme moi, qui connaît rien aux Pokémon. Les Ramolos sont du genre à aller par leur propre rythme. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le talent tempo perso qui les empêche d'être confus. Sinon, Ramolos, tu veux bien dégager 2 minutes? Qu'est-ce qu'il est en train de faire au Pokémon? Le professeur n'a peur de rien. Il teste les capacités à l'intérieur du laboratoire. Je crois qu'on peut encore dire radio autrefois. Et je ne parle même pas de sa blouse blanche, franchement, lavée, repassée, amidonnée, avec amour. Enfin, j'y connais rien en lessive, donc je donne tout au pressing, mais quand même. Bien, entrant. Franchement, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, hein, sur ce let's play. Hein. C'est ce que je dis depuis le premier épisode. Mais, moi, je m'éclate. J'ai pas encore les retours du premier épisode. Mais en soi... Moi, je m'éclate, et c'est le plus important. Salut, Dora. Merci d'être allé chercher le larbin. Et on a toujours la petite voix version Vince du monde à l'envers pour Bob. C'est bien normal, vu que je suis votre admin. Je suis payé pour ça. Grâce à toi, j'ai pu avancer dans mon boulot et même faire un petit plaisir. Allez, assez de blabla, larbin. Passe-moi ton Awakdex une seconde, si tu veux. En fait, Dora, tu le trouves pas moche, le larbin, je veux dire, moi, si. Sinon, le matos que j'ai commandé vient d'arriver. Eh bien, Dora, tu as perdu ta langue. Laisse-moi me passer pour un con. Bref, passons aux choses sérieuses, on peut mettre des applications dans le Nawak Dex. Des sites de boules. Ah, tout ce que tu as envie, mais pour l'usage du travail, on va se contenter des trucs utiles pour la team, comme des générateurs de titres putaclic, ou des blagues sexistes qui marchent.
Tout ce qui peut être utile pour faire des vidéos finiront en tendance. NawakTube, oh yeah! Il y a aussi une fonction GPS dessus, on peut savoir où tu es en temps réel. On peut même avoir des vidéos de toi à n'importe quel moment de ta vie. Étrange. Parfois, ça te postera directement des vidéos sur NawakTube. Et si tu as envie de péter, ne te retiens pas. Les vidéos de paix, ça fonctionne toujours, surtout si on ajoute des skitty. Wesh alors! Je crois que c'est pas le bon bouton là. Qu'est-ce qu'on est serré! Oh, c'est un plus d'ailleurs, désolé. Ah oui, je t'ai pas dit non plus, j'ai mis un mélange de Google Home et de Siri dedans. Sauf qu'on peut pas le contrôler en fait, il s'active tout seul, alors bon courage. Bella! Ok. Je suis drôlement content de faire ta connaissance. Je suis motissimu. Ah, regarde, il dit des choses totalement aléatoires et même il chante parfois. Laisse-moi le temps de trouver tes marques et je pense que tu t'y habitueras. Oh, ça risque d'être bien insupportable, ça. Ah, mais ouais, mais t'inquiète, la force psychologique de notre nouveau sbire. Puis ça va le faire rire s'il rage. Puis comme ça, je peux le surveiller dans les moindres instants de sa vie. Je peux désinstaller. Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, Sirium est super pratique. Avec lui, tu risques de pas te perdre. Il suffit de le caresser délicatement pour que la carte s'affiche. Voilà, Tarzan. Notre ami Tarzan. Que coucou! Il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout. Ah, ça m'a motivé pour niquer des mamans. Wouhou! Il va aller dans la piole de Dora. Non? Si? Oui? C'est une mezzanine là-haut, trop classe. C'est privé! Ouais, j'ai prêté ma mezzanine à Dora pour la dépanner. Elle s'est fait voler les clés de chez elle par un feneur nommé Shipper. On va avoir Shipper, sans doute. En tout cas, l'arbre, éclate-toi avec le mouchard sur ton Awakdex. Et toi, Sirium, prends bien soin de l'autre sbire, là, je compte sur toi. Alors c'est ça, le Sirium? Je peux filmer mon zizi avec? Vous êtes parés, allez, la team Nawak, en route. En route, où? En avant pour l'école des NawakTubeurs. Pour progresser, faut pratiquer avant tout, tu dois apprendre les bases. Pour cela, tu dois aller à l'école de NawakTuber et après en route pour être lauréat du tour des vidéos. Ça te branche, sbire inutile? Oh, et moi, tant que je m'entraîne avec un sous-lourdeau, ça me va. Le tour des vidéos. C'est donc une manière de devenir un NawakTuber très connu. Et oui, il suffit d'aller dans les 4 îles de Nawak pour te mesurer à plein de membres de la team Nawak. Et peut-être tu pourras monter en grade ou pas, je ne sais pas trop rien pour le moment là. Larbin, tu es prêt? De toute façon, si tu ne l'étais pas, je serais pareil, en fait. Est-ce qu'on peut aller dans la mezzanine? On peut y aller. Qu'est-ce qu'elle a caché? Getus. Choisir un Pokémon, ok. Notre fameuse omelette Levenard, premier arrivé, premier servi, ok. J'ai ramassé une pierre éclat, mais je ne sais pas quoi en faire, moi. Si seulement j'avais un Floette ou un Roselia. Ok, et le ventilateur? Non. Ok. J'étais curieux de tester, voir ce qu'il y avait d'intéressant. Le NawakTube Space n'est pas loin de ta maison, n'est-ce pas? Eh bien... Le ciel se couvre soudainement. Il fait sombre. Bien fait! Je t'ai rien demandé, toi. J'ai juste eu peur pour mon brushing. Je crois que c'est la mère de Tarzan. Elle a caché le soleil avec ses grosses fesses. On n'avait pas dit les mamans, c'est drôle quand même. Bon, du coup, c'était un mauvais présage. Un mauvais présage? Quelque chose de bien va arriver? Oui. J'en sais rien, il y a une légende comme quoi, quand les mamans cachent le soleil, c'est que le grand seigneur de police de mainstream arrive. Sauf que ce dieu veut anéantir tout ce qui est mainstream sur NawakTube, la galère.
C'est un peu une critique de YouTube en soi. Le souci, c'est qu'on aime bien le mainstream, il y a toujours des pigeons pour venir regarder les vidéos là. Alors il vaut mieux pas qu'ils reviennent. J'espère que je me trompe, hein. C'est juste qu'une pas une grosse maman qui... Oui, très intéressant, professeur. Je crois qu'en fait, on s'en fout. Oh putain, le clash! Hey, viens là, ben, en route pour le Nawak Tube Space. Ben, en route. Alors. Oh, je vais pas te parler. Oh, quoi, allez, si. Je vais te parler un peu. Ça va. Oui, ça va bien, ne t'en fais pas, je garde le motis moral. Ok. Rien de tel qu'une petite visite du centre Pokémon, je vais te signaler avec un drapeau sur la carte que tu trouveras... Ok, merci tuto. Mais du coup, pas le choix. Mais du coup, par rapport à la carte... Par rapport à la carte, est-ce qu'on... Ça va pas nous indiquer où est-ce qu'on est, merde. Je crois qu'on... Oui, non, c'est pas une nouvelle zone ici. Il me semble pas. Et tant pis si c'en était une. On perd la zone, et puis voilà. Waouh, c'est un Grayenatus qui est de très classique. En vrai, c'est pas... C'est pas dérangeant. Allez, on fuit. Niveau 9, hein, niveau 9. C'est tendu quand même déjà les niveaux. Je stresse un peu, oui. Ok, on trouve un réveil. On a des dresseurs par-ci, par-là. Putain, encore un poké. Encore des Grayenas, donc ça va. Faudrait que je joue deux jours à un moment donné, ça serait bien. Peut-être l'épisode 4 sera deux jours. Qui sait. Ok, la prédiction quand même, le Grayena. Donc il sait à quoi s'en tenir. Par contre, il est plus rapide que moi, donc il m'empêche de fuir. Ok. Eh ben, tu vas te prendre un coup victoire. Revenant, mais je suis de type normal, donc... Ça devrait rien me faire. Ah si, ça me touche quand même. D'accord. Voilà, il est mort. J'aime bien le petit message, il est mort. Ok, Etma, il monte au niveau 10. Et ça, c'est cool. Non, c'est bon, on a esquivé le dresseur, oui. Je pense qu'on était toujours dans la route qu'il fallait. Si, moi, je vais te présenter un peu la Nawak Space Tube. Mais là, c'est le centre Poké. C'est bien mignonne, mais non. Si t'es un peu fatigué, adresse-toi à l'infirmière à la réception. Elle viendra masser tes fesses et tes Pokémon. De tes Pokémon. C'est vraiment pratique, surtout pour moi qui ai souvent des crampes aux fesses. Mais t'es pas un Pokémon, Dora. Le PC que tu vois là, il est utile pour publier ou supprimer des vidéos de ta chaîne. Ok. Et là, c'est la boutique de Nawak. Tu peux acheter de nouveaux objets utiles lors de tes aventures. Je te conseille d'y jeter un oeil. Alors, sachant que tout à l'heure, Tarzan... Enfin, tout à l'heure. Sur l'épisode précédent, Tarzan, il avait une orbe vie. Peut-être que... On a des objets utiles et stratégiques pour la suite de l'aventure. J'y viens potentiellement. On va voir ça de suite. Acheter... Ultra Ball 0. C'est vraiment 0. En vrai, on va tenter. Je spam les achats des Ultra Ball à 0. Les meumeux Orbe Frousse. Ah oui, c'est pour... Ok. Ok, j'ai une punaise qui vient de m'attaquer. Plaque Herbe Elle Santé. Sympa. Flûte jaune. Donc ouais, il va y avoir quelques objets. 35 000 Poké-Dollars ? Putain, on oublie bien. On va acheter 10 potions. Hop. Et des total soins, on va en prendre 10. Hein. Les meumeux, c'est quoi ? C'est 100 PV. Et ça, c'est 20 PV. Bah, en vrai, le les meumeux peut être aussi utile. On va en prendre 10. Et Elle Santé. Bah, on va en prendre 20. Hop, on va augmenter les PV de nos Poké. Et puis voilà, on va faire ça rapidement, immédiatement d'ailleurs. Hop. Bon, voilà, j'ai donné les ailes santé, 10 de chaque. Donc je pense que ça devrait être beaucoup mieux. On va pouvoir soigner nos Pokémon, voilà. Et se rendre à l'école, tout simplement. Voilà. Voilà l'école des Nawaktubers. Mais que se passe-t-il ?
un tauros sauvage. Ah, je crois que ce fan de Jules bloque le passage. Heureusement que nous tendrons juste à l'école de Nahok, Tuber. Ne nous occupions pas de lui. Putain, tauros est fan de Jules. Canada Road, école de dresseurs. Hey, Larbin, on dirait que je suis enfin arrivé le premier. Enfin, bref. Putain, je me suis loupé la voix. L'école des Nahok, Tuber, le passe... Oh, je vais faire une voix normale. Le passage obligé de tout vidéaste qui se respecte. Mais, monsieur le boss, c'est le nouvel élève dont vous m'aviez parlé. Ouais, ce larbin, il est pas très intelligent, alors il faut lui apprendre ce que c'est, Nahok Tuber. Tiens, sans ma main. Pour ta première leçon, tu devrais utiliser ton nouveau pouvoir. Tu devras réussir à vaincre 4 autres Nahok Tubers en leur piquant leur viewer. Ok. Vous recevez le cherche-meuf. Encore ? Et il nous parle que du cherche-meuf. Alors, ne sont pas tous dans la cour de l'école, certains t'attendent à l'intérieur. Profites-en pour faire un tour dans la salle de classe et papoter un peu. Qui sait, on pourra piquer les idées. Moi, je m'en vais, j'ai envie de péter. Tout simplement, voilà. Elle n'a pas l'air, la frangine, mais ses intestins sont tellement pourris. Oh, qu'est-ce que ça pue quand on a la rugune. Bon allez, dernier conseil pour la route, et je te laisse tranquille. C'est juste un entraînement pour voir si tu es assez doué pour nous aider, donc tâche à ne pas être trop nul. Après ça, j'ai rien d'autre à te dire, donc bon vent. Mais pendant ce temps, je vais réfléchir à des plans machiavéliques pour notre super organisation criminelle. Très bien, on va ramasser l'objet au sol déjà. Et on a trouvé une potion. Hop là. Et c'est parti. Ah, si mon petit popole chéri a un coup de mou en plein combat, je lui donne une potion. Ton petit popole chéri. Ok, Logan. Très bien. Fragile Lady. Oh, tu vas prendre cher. Oh, tu vas prendre tarif avec Etmail. Enfin, elle prend tarif avec avec mes deux. Volvi, ça va pas faire grand-chose. Voilà, petit passage de Mew qui miaule. Allez hop, Fragile Lady est morte. On n'en entend plus parler. La défaite, c'est douloureux, tabernacle. Mais t'inquiète, je ne lâche pas la patate. Putain, mais on a autant d'argent? C'est ouf. J'ai lâché une fuse tellement je m'attendais pas à perdre. Parfois, une expression du Québec, elles sont un peu bizarres quand même. J'ai lâché une fuse. Notre objet au sol. Une autre potion, très bien. Le jeu ne veut pas qu'on perde, visiblement. Je suis ici, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est moi le plus balèze. Si tu veux m'affronter, faudra passer sur le corps des autres Nahok Tubers. Oh. C'est pas des combats de duel. T'es prête? Pierre, feu, eau. Ah, oh, je me souviens plus. Entre le type feu et le type plante, qui gagne? Trio. Vraiment? Ah, oh, tu me fais marcher. Ouais, totalement. Ok, rentrons, voyons voir ce qu'il y a. Il tient une bureau. Ok. C'est étrange. C'est vraiment très, très étrange. Charcos. Oh, tout shiny. Charcos, ça peut faire mal par contre. Gicledo, ok. On va l'endormir. Hein. Et après, je pense qu'on va remettre Deadpool devant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On l'a pas trop vu sur l'épisode 2, à part sur le combat final contre Tarzan. Mais j'avoue que le fait qu'ils aient des attaques assez random ne soit pas forcément à mon avantage. Jackpot, ok. Bon, ça nous ramène un peu plus de flouze, ça c'est cool.
ouais, par contre, j'aurais pu potentiellement attaquer plus fort. Oh, ça... Ah si, attends, giclée d'eau, souffle glacé. Non mais c'est giclée d'eau, souffle glacé, jackpot. Le axe, mon gars. Le... Ok, on va switch, on va switch. On va switch car... Il va potentiellement me défoncer. J'ai fait de la merde. Barrage, ok. Ok, je compte pas re-switch, de toute façon. Allez, Dark Lariat. Giclée d'eau. Voilà, un PV en moins. Très bien. On est plutôt pas mal, on est plutôt pas mal. Ah oui, on peut les soigner. Voilà. Deadpool veut apprendre Griffe Ombre. À la place de quoi? Griffe Ombre, peut-être à la place de Flamèche, sachant qu'on a Canicule, donc c'est... ça peut être utile. Deadpool se diversifie en termes d'attaque, ça c'est cool par contre. Il a 4 stabs différents. Plus un roulement qui va augmenter le physique. Tiens, des easy pour toi aussi. J'en ai un char, puis une barge. C'est toi qui veux dire. Ok. 3B au rang. C'est étrange. Eh ben moi, je trouve que quand mon zizi, pour me jeter de la poudre aux yeux, j'en câline comme l'an 40. Ok. Ça fait 2 dresseurs de battu. Ça doit être toi, la troisième. On va voir ces informations. Vive griffe. Ah, cool. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On a la vive griffe, ça, c'est cool. On va potionner... Etmail. Voilà. Et on va lui donner la vive griffe qui est ici. Hop. Car Etmail est quand même plus lent que les autres. Et du coup, on va switcher ces deux Pokémon. Ah, ben c'est avec Y. Voilà. Voilà. Ça m'évite d'utiliser la souris. Et du coup, je suis sûr que te voir en action va l'aider de venir au bout de sa timidité. Quoi? Pas vraiment. Ouf! Les choses avancent depuis que l'admin est aux commandes. On peut pas passer non plus, très bien. On peut pas sortir. Mais on n'a pas... Ils sont où ces 4? Attends, on en a eu un dedans, un dehors. Ça fait 2. Attends, on va pas faire que ça de l'épisode. A few moments later. L'école des dresseurs est une zone. Donc on peut capturer un Pokémon. Vu qu'on trouve pas le dresseur, autant capturer des Pokémon. Ah, mais on a un objet au sol qui est un antidote. On va essayer quand même l'Ultra Ball du coup. Et on va utiliser l'Ultra Ball sur... un Engal. Oh. Oh. Intéressant. Nangal qui peut nous faire 2 Pokémon en soi. Niveau 10. On va juste placer la griffe ombre. Nangal bourdon. Très bien. On va tester de suite. On va utiliser l'Ultra Ball. Voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça serait tellement cheaté de ouf à 0. Surtout en mode Nuzlocke. Et techniquement, ouais, ça ne devrait pas fonctionner. Ok, il nous fait un petit encore. Donc, bourdon encore. Ben c'est parti. Griffe ombre. Le axe, mon gars. Tac. Allez, un petit Nangal. On va avoir Ninjask et Munja. Ça, c'est cool. S'il veut bien rentrer, par contre. On en a 10. On peut retenter. Le souci, c'est que j'ai peur de faire griffe ombre et de le tuer. Il va pas vouloir. Il va pas vouloir.
contre, son bourdon, qu'est-ce qui fait mal. Tac, tac, tac. On remplace une griffe. On voit pas le axe, pas le axe, pas le axe. Ok. Ok, on va switch Pokémon. On renvoie Etmail. Enfin, on envoie Etmail plus précisément. Ça devient sérieux là, ça devient sérieux. Le Nangal bourdon. En début de game. Allez, rentre cette fois-ci. On fait un petit OB. On sait que le pouvoir du OB fonctionne. Ou pas. C'est quoi son taux de cas? Non mais... Ah bah attends, on va l'endormir. On va l'endormir avec Sylpherbe. Ok, il nous fait des pic-pic. C'est super efficace, évidemment. Ok, il dort. On ne peut que le capturer maintenant. Il lui reste un PV, quoi. Allez. 1, 2, 3. C'est dans la boîte. Voilà. Bon, maintenant, il faut trouver les deux autres dresseurs. Enfin, le dresseur manquant. Ok, quel surnom on va lui donner, celui-là? Allez, on va l'appeler Spidey. Comme Spider-Man, mais bon, il est original. Mais en soi, il va pas casser trois pattes à un canard. Et encore, je pense qu'il pourrait nous surprendre. Il a un objet, il a la flûte jaune. Ok. Ben, objet prendre, tout simplement. Résumé. Qu'est-ce qu'il a, ce petit Spidey? Donc, pic-pic bourdon, giga sensu et encore. Ah, en vrai, neutre de nature, talent cuvette. Franchement, il y a de l'idée, il y a de quoi faire. Par contre, il va falloir que je me soigne. Cependant, hop, on va se soigner et on va chercher les deux autres dresseurs. A few moments later. Allez, ça y est, on a le dresseur. Prépare-toi à encaisser la meilleure vidéo de ma chaîne, ça tourne mal. On va voir ça, petit. Moi, je suis pas sûr. Kendall, le gamin. Un garde-voir. Tout shiny, bien sûr, évidemment. Est-ce que Deadpool de... Machouille, ok. Deadpool devrait s'en sortir quand même. Devrait plutôt bien s'en sortir. Hop là, Dark Laria. Amnésie, ok, ça va augmenter la défense. Ça passe. Ok, ça passe crème. Il nous refait un petit machouille, c'est pas grave. Allez, Billy. Ouais. Allez, ciao, garde-voir. Allez, niveau 12 pour Deadpool, ça c'est cool. Moi, j'ai perdu. Mais c'est pas possible. Je vais devoir parler en québécois. Et ouais. Et logiquement, bah, on va chercher le quatrième... Je vais aller faire un rapport au bébé. Je suis pas franchement un fou comme un balai, hein, espèce de grosse foufoune. Ah, je peux pas parler québécois. Mais si, tu le feras. Que tu le veuilles ou non. Hop, on esquive les hautes herbes. Est-ce qu'on tenterait Nangal devant pour le dernier combat? En vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Hop. Ça peut le faire. Ça peut le faire. J'y crois. Hop là. Alors, t'es peut-être battu tout le monde, mais nous, tu nous auras pas. J'ai un talent de malade, mes vidéos, tout le monde les regarde. Alors, hormis si tu m'envoies du gros banger, c'est... Trop pistule, ok. Ça devrait le faire. Avec mon Nangal. Genre un giga sensu. Octazooka, ok. C'était bref. Ok.
Bon, 8 mile, go. Ok, bon, on vient de perdre Spidey. C'était assez bref. Électrisation. Non mais... Tout ça pour pas que je l'affecte. Non mais c'est... Est-ce que je peux t'endormir? Non, tu continues. Ah non, si le fer, bah ça passe. Ok. J'ai cru qu'il allait me faire 3 tours de suite en mode... Wouah! Bon, par contre, ce serait bien de pas louper tes attaques, s'il te plaît. Merci. Voilà, ça, c'est pour avoir tué Spidey. Notre premier mort. Dans la miniature, vous aurez le Pokémon en noir avec première mort. Comme ça, je vais essayer de vous faire croire que c'est un seul rondo. Edma, il monte au niveau 12 et va apprendre choc mental. En vrai... En vrai, non. Non, non. Gardez les anciennes capacités. Ça m'intéresse pas. Ok, on a battu Guylaine. Même te critiquer ne suffit pas à gagner, je vais devoir parler québécois. Eh ouais, mon petit, parlez tous québécois. Comme t'as pu le voir, les deux bras me sont tombés, tabernacle. Ah, on a une CT. Couvert. Il y a type. C'est... La CT type 0. En vrai, c'est plutôt stylé, la CT qu'on a eue. Mais quand on aura type 0, quoi, du coup. Oh, c'est la cloche d'école, toi. Votre attention, s'il vous plaît. Le larbin est attendu au premier étage. Je répète, le larbin est attendu au premier étage. Dis donc, comment ça se fait que tu sois convoqué comme ça? Tu as fait une bêtise? Tu m'as traité de cloche? C'est tout ce que tu mérites. Oh... Allons à l'étage. Je crois qu'on affronte la prof. J'ai un doute. J'ai un doute. Il me semble qu'on affronte la prof. On va se soigner. Sachant qu'on a perdu Spidey déjà. On va éviter de perdre un deuxième Pokémon. Franchement, bravo, j'en reviens pas. T'es déjà un super bon sbire. En même temps, les sbires ne sont jamais très forts. Alors ça ne m'étonne pas. Accorde-moi un combat. C'est ça, on l'affronte. Glou. On aurait peut-être dû déposer, mais tu sais, je joue pas fair play, donc je vais choisir un Pokémon qui a l'avantage face à ton ancien Rondo. Tu vas prendre un Pokémon combat, sachant que j'ai une double faiblesse combat, quoi. Bambi. Non, je pensais plutôt à Maconior, ou un petit Machoc à la limite, mais ok. Bambi, ça me va en fait. En soi, on va faire un petit Sylpherbe. Oh, la vive griffe. Ça, c'est cool. Sauf que j'ai échoué. Ok, il m'a para. C'est pas grave, c'est pas grave. Force de la nature. Putain, arrête. On va perdre Edmile. On va perdre Edmile. C'est bon, on l'a endormi. Que faire Pokémon... On va envoyer Deadpool. On envoie Deadpool. Je ne sais pas comment en fait il peut me battre. Bon, on sait jamais. Ok, ça dort profondément, ça c'est cool. Du coup, on va faire... Dark Lariat. J'aurais pu faire tenter un enroulement. Mais je pense que c'est largement suffisant. Ou pas, ok. Continue à dormir. On continue à puncher. Ok, il me repara.
on va essayer de le finir avec Griffombre. Hire de la nature. Aïe 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 aïe. Ça passe. Oui. Pour l'instant, on a eu qu'un mort. Ok. Tourniquet, non. Ok. Quelle force, j'en reviens pas. Oh oui, tiens. Tu vas pas venir enseigner ici? Non, je rigole. Tiens, pour la peine, c'est encore mieux qu'une image. Oh, des Super Balls. Ça, c'est cool pour la suite. Avec une Super Ball, c'est encore plus facile d'attraper des pigeons viewers de vidéos. Très bien. Un Nawaktuber qui connaît le Nawaktube à fond dans un combat à moitié gagné. T'en penses quoi? Hey, le gosse, je me présente, je suis le capitaine Jean Hervé. Je suis venu avec mes 8 cartes de crédit pour faire du shopping. D'ailleurs, tu aurais pas un peu trouvé ma Mastercard? Je suis toujours aussi snobidard, je te présente le nouveau larbin. J'ai pas retenu son vrai nom, alors je me demande... Ne me demande pas, j'en sais rien. Il veut quoi le pauvre? T'es jaloux parce que tu es trop pauvre pour acheter une blouse neuve? Elle n'est pas vieille, ma blouse, elle est juste vintage. En fait, larbin, tu dois te mesurer à JH pour avancer dans ta quête. Par contre, m'appelle pas JH, on n'est pas assez intime, et ta chemise est... vieille. À ce niveau-là, c'est plus vintage. En plus, il y a des taches assez suspectes. Tu fais quoi avec la jeune blonde? Pareil pour toi, t'es mal fringué. Je crois qu'il y a des bugs de dialogue. Ah, vous avez pas élevé les conchons ensemble, il est quand même le boss. Il y a encore des fans de Jules qui bloquent la route au bout de la rue. Larbin, je crois que nous avons plus rien à apprendre, bon vent. Le larbin est prié de se casser. Ok. Le truc, c'est de bien s'entendre avec les Pokémon. Utilise-les comme des armes et surtout fais attention au nombre de pouces rouges de tes vidéos. Et bien sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, tout simplement, bonne chance pour le tour des vidéos. Amuse-toi bien et surtout, trouve des idées et utilise-les en pratique sur le Nawaktube. Mets en pratique ce que tu as appris, accomplis ton tour des vidéos et profite bien de cette belle aventure. Bonne chance, futur lauréat. Et surtout, n'oublie pas les commentaires. Rends tes viewers accro à la team Nawak. Et montre-leur qui est le boss. Quelle belle démonstration de travail d'équipe et de synchronisation avec un seul rondeau. Mais si tu veux te servir de guide à Nawak, suis-moi. Eh bien écoutez, ça sera pour le prochain épisode, les amis, dès qu'on aura passé la cinématique. Là, ben, par ici. S'il te plaît, laisse-moi finir, faire mon outro. Ouh. Tu t'es vraiment bien battu à l'école. Je pensais que tu savais déjà autant sur l'univers de Nawaktube. Quand on regarde, on pourrait penser que t'es juste un loser comme un autre. Mais en fait, t'es un sbire un poil moins teubé que les autres. Oh, j'avais oublié le fan de Jules. Ouais, Charles-Laurent. Oh, mon bijou, oui, oui. Oh, 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 une petite fille, tu veux venir avec moi? Je suis très gentil. Contrairement à Julos, qui est illettré. Il me casse les oreilles avec son autotune, celui-là. Tu veux le flageller, toi aussi? Fais attention, l'autotune est contagieuse. Eh bien, écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Pour ce troisième épisode, en tout cas celui-ci, j'espère qu'il vous a plu. Il sera légèrement un peu plus long que les deux premiers, mais bon, il y aura des petits cuts au montage. Et sur ce, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager les réseaux sociaux tels que TikTok, où vous pouvez trouver des extraits de cet épisode, YouTube, pour vous abonner, liker, commenter, partager, X, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description, ou bien pour rejoindre le Discord de la Ikira Corp, ou bien retrouver les deux ROM de Pokémon Ultra Soleil Random Nawak ou Ultra Lune Random Nawak, ça sera rendez-vous sur le Discord. Allez, sur ce, portez-vous bien les amis, et je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao, ciao. Peace.